Nous allons consacrer les prochaines chroniques à un sujet qui est universel, c'est celui de la mort. Et partout, on cherche à, comment dire, contenir la mort et à faire bonne figure face à la mort. Ainsi, par exemple, il y a un terme qui est assez curieux que l'on utilise pour ne pas utiliser le mot mort, c'est passé, il est passé. En fait, ça fait le mot trépassé. Celui qui trépasse, c'est celui qui passe de la vie à cet inconnu qu'est la mort. Mais il y avait aussi, à cause de la mort, eh bien, toutes sortes de pratiques. Et même dans les testaments d'autrefois, comporter cette mention, il n'est rien de plus certain que la mort, ni de plus incertain que l'heure d'y celle. C'est dans le livre, je dirais, de Jean-Louis Beaucarnot, Ainsi vivaient nos ancêtres. Mais il y a plus, il relate toutes sortes de pratiques, de coutumes. Et alors, voilà quelques coutumes qui se font plus parce que ça se faisait à la campagne. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est que on arrêtait les sonnettes, les balanciers des horloges, on voile les glaces lorsqu'on en a, pour ne pas que l'âme puisse y voir son reflet. On vide toute eau contenue dans les récipients, soit pour que l'âme ne s'y noie pas, soit que l'on pense au contraire qu'elle s'y est lavée de ses péchés. Parfois, on ôte une tuile du toit pour lui laisser une sortie vers le ciel. On se garde de balayer la pièce de peur de balayer l'âme du mort et l'on se hâte de laver ses draps avant le jour de la lessive. Il y a toutes sortes de pratiques et vous pouvez avoir une idée de cela dans le livre donc de Jean-Louis Beaucarnot, Ainsi vivaient nos ancêtres. Donc il y a toutes sortes de pratiques qui était lié à la mort et la façon de conjurer la mort. Et il y avait même, je dirais, cet aspect aussi qui n'est pas négligé avec les esprits. À la campagne, dit-il, écrit-il, on continue à faire précéder le convoi funèbre d'un homme chargé de brûler de la paille ça et là sur son chemin de manière à éloigner les mauvais esprits. Ben, tout est dit, voilà. C'est-à-dire que la mort, c'est un domaine mystérieux et on a toujours peur de la mort. Alors, la Bible, parce qu'on va parler de la Bible, que dit la Bible sur la mort? Que dit l'Ancien comme le Nouveau Testament sur la mort? Et par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a toujours cette formule qui revient et qui montre notre état. C'est dans Genèse chapitre 5, je lis, s'agissant d'Adam, il est dit « Tous les jours d'Adam ou qu'Adam vécut furent de 930 ans », c'est beaucoup. « Puis il mourut. Ensuite Seth, son fils. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, eh bien, tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. » Kénan, tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Et puis, il y a une exception. Hein. Et ça, c'est réjouissant. Et cette exception, on la voit dès le départ, dès les premières pages de la Bible, c'est celle qui concerne Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est le seul dont on dit « il ne mourut pas ». Il n'est pas mort, il est enlevé. Il est comme Élie, le prophète, eh bien, qui est enlevé. Donc ça montre déjà, dès les premières pages, que la mort, ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'elle est inéluctable pour la majorité des hommes, mais il y a des exceptions qui montrent eh bien, qu'il y a quelque chose après. Qu'on peut aussi ne pas mourir, parce que le but de Dieu, c'est qu'on reste avec lui. Et le but, c'était, si Adam et Ève n'avaient pas
péché, eh bien, c'est qu'ils vivent et qu'ils vivent et qu'ils vivent encore en mangeant du fruit de l'arbre de la vie. Mais à cause du péché, ils ont été exclus du jardin d'Éden et ils ne pouvaient plus, et nous sommes dans le même cas, nous sommes privés de manger du fruit de la vie. Voilà, alors, le décor, si l'on peut dire, est planté en ce qui concerne la mort. C'est dans l'Ecclésiaste qu'on trouve cette parole « Personne n'est maître des jours de sa mort, ou du jour de sa mort. » Personne, sauf ceux qui veulent se suicider, mais il y en a qui se ratent, et heureusement pour eux. J'en ai connu comme ça, qui se sont ratés, et puis après, ils m'ont dit « j'avais pas envie de me suicider ». C'est une force, c'est une puissance qui m'a poussé à vouloir me suicider. Mais c'est après que j'ai réalisé, non, je ne voulais pas. Mais enfin, peu importe, on en parlera plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'autrefois, les hommes et les femmes vivaient longtemps. 900 ans, 800 ans, 600 ans, c'est énorme. Et puis, avec la Genèse, eh bien, qu'est-ce que l'on découvre ? Eh bien, c'est que Dieu décide, eh bien, au chapitre 6, toujours de la Genèse, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc, il y a une limite. Et là, il y a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que 120 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme disait un cher pasteur qui maintenant est décédé, il me dit, tu sais, après 70 ans, ben c'est durable. Et alors, il y a eu, suite au déluge, eh bien, une limitation du nombre de jours. Voilà, ça c'est une des conséquences du déluge. Mais je voudrais simplement parler ici de la Bible qui nous parle bien sûr de la mort. Et il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que on parle de la mort alors que en fait c'est très curieux. On est là en train de se réjouir et il s'agit d'un baptême. Alors les baptêmes, bien sûr, les baptêmes d'enfants, mais on voit les dragées, toute la fête, toute l'ambiance, etc. Mais en fait, c'est faux, c'est complètement faux. Le baptême, c'est une mort. Et c'est pour ça que je me souviens d'un frère qui avait dresser un faire-part, et il nous invitait à sa mort, à son enterrement, plutôt à son enterrement, parce que le baptême, c'est un enterrement, et c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible, c'est justement l'apôtre Paul qui parle du baptême, et quand il parle du baptême, il parle d'un enterrement, d'un ensevelissement, d'un... Alors, on va le lire, chapitre... Je vais vous indiquer ça, je cherche le passage, c'est dans Romains chapitre 6 et verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Ainsi donc, autrefois, bien, les baptêmes d'enfants, il y en a moins maintenant, mais il y en a encore.
Et alors, il y a les dragées, tout ça, mais c'est un enterrement. Alors, quand c'est des enfants, des petits-enfants, ils ne savent rien du tout. Et même les parents, ils ne connaissent rien. Et ils connaissent parfois rien, rien du tout. Et je peux en parler en tant que pasteur. Quand on leur posait la question sur le baptême, qu'est-ce que c'est le baptême, que signifie-t-il? Eh bien, j'attends encore la réponse. C'est dire. Mais le baptême, c'est un enterrement. Et cette personne dont je vous parle, elle a fait un faire-part en disant, bah, je vous invite à mon enterrement, ou plutôt l'enterrement de ma vieille nature, c'est-à-dire du vieil homme, de cet homme qui est péché, qui a péché, et qui aujourd'hui confesse ses péchés et qui croit que Jésus est celui qui a effacé par son sang ses péchés et qui lui donne de ressusciter, c'est-à-dire de vivre une nouvelle vie, la vie de Christ qui vit en lui. Et nous aurons l'occasion de parler de cela. Vous voyez, c'est très curieux ce qu'on a fait de certaines choses. Et le baptême, eh ben, c'est une mort. On célèbre tout simplement à ce moment-là, je prends position, je déclare que je suis mort avec Jésus. Je suis mort avec Christ. Je suis crucifié avec lui. J'ai crucifié, comme dit l'apôtre Paul, j'ai crucifié le monde, j'ai crucifié ses passions, j'ai crucifié tout cela, je suis mort à tout cela. C'est-à-dire que le monde, avec tout ce que cela comporte, eh bien, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Mais dans les baptêmes d'enfants, etc., ben, ce n'est pas ça qui ressort. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que les personnes étaient très embarrassées pour me parler du baptême et du vrai sens du baptême. Et nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. Voilà, je vous donne rendez-vous à une autre chronique où nous continuerons à parler de la mort, mais aussi nous parlerons, bien sûr, de l'enfer. Que Dieu vous bénisse.